Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. Ce petit midi pour cette petite vidéo bonus, un peu bienvenue à la maison. Voilà, j'ai reçu des petits colis absolument géniaux. Il fallait que je vous fasse une vidéo parce que c'est beaucoup trop cool. J'ai reçu un colis d'un abonné avec une pop personnalisée de moi, apparemment. J'ai juste ouvert le carton, j'ai vu qu'elle était dans un espèce de. Regardez, dans une espèce de papier bulle. Donc, pour l'instant. Je n'ai pas encore vu à quoi elle ressemblait. On a également un colis d'un éditeur, une édition collector de Metal Storm qui est là, qui a été envoyé par Just4Games, merci du fond du cœur. Et également des petits achats que j'ai faits qui sont derrière là, dont on va parler. Et un gros colis de la part de Red Bull, donc voilà, une petite vidéo en mode posé, voilà, pour le vendredi midi, en plus du Gaming News de ce matin. Qui je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore eu. Donc voilà, donc la première chose c'est que vous savez que je fais beaucoup de streams. Tous les streams ils sont sur Twitch maintenant tous les après-midi. Et à chaque fois je bois une ou deux Red Bull depuis des années hein. J'ai fait toutes mes études de droit avec des Red Bull. Et j'avais dit au début de la chaîne, si un jour Red Bull m'envoie quelque chose, ça serait genre magnifique. Et il m'avait déjà envoyé un premier colis. Il y en a qui sont au courant. Et j'ai terminé tout ce qu'il m'avait envoyé. Et là il me renvoyé un deuxième colis mais encore plus gros, avec des Red Bull au coco. Donc un premier pack avec un autre pack de Red Bull à la noix de coco. C'est un truc de fou. Red Bull France, je vous aime vraiment. Un pack avec des Red Bull myrtille. Un autre pack avec des Red Bull myrtille. Vous allez voir, ça va s'empiler. Un autre pack avec des Red Bull coco. Un autre pack avec des Red Bull coco. un plus gros pack encore avec des Red Bull normal. Et encore un pack avec des Red Bull normales. Merci énormément. Red Bull France, je vous aime. Merci énormément du fond du cœur. Voilà pour le colis de Red Bull France. Ça, c'est vraiment génial parce que j'en bois tout le temps. Par contre, à boire avec modération, évidemment. Ce genre de boisson énergisante, c'est à boire avec modération, évidemment. Donc ça, premier colis. Merci du fond du cœur, Red Bull France. Enfin, vraiment, merci, vraiment, du fond du cœur. On va terminer par le colis de l'abonné. On terminera par ça à la fin. Je me suis acheté quelques petites choses dont il fallait que je vous parle. Alors la première chose c'est Tokyo Mirage qui est là sur Nintendo Switch. On va le tester cet après-midi sur la chaîne et vous aurez en live bien sûr. Donc si vous voulez, vous venez sur Twitch là cet après-midi, on va tourner la vidéo. On va sortir la vidéo vers, si je dis pas de bêtises, la vidéo devrait sortir vers 16h30, 17h puisqu'on va commencer le stream assez tôt pour pouvoir... tourner ça, donc si ça vous intéresse, du JRPG et on va le faire. Je me suis également racheté Rise pour le faire en let's play sur la chaîne. C'est une aventure qui dure 6 à 7 heures, un truc comme ça, donc ça peut faire un petit let's play de 2 épisodes plutôt sympa. Voilà, j'ai également pris Code Vein parce que tout simplement parce que Dark Souls 3, je l'ai fini, ça me manque, et j'ai fini Sekiro et le style me manque, donc on se tapera Code Vein également en let's play. On verra un petit peu, il paraît que c'est top. Et je me suis également racheté, alors il est sous blister encore, le Monster Hunter Iceborne Master Edition, donc avec tous les DLC. On verra pour en faire en stream, ça peut être très cool. Je pense qu'on va passer un bon petit moment là-dessus. Voilà pour mes petits achats du jour, et enfin j'ai fait hier pour présenter. On va unboxer ça. Alors ça, je remercie vraiment du fond du cœur Just4Games qui m'ont envoyé cette belle petite édition collector de Metal Storm. On va l'ouvrir précautionneusement. Voilà, je voulais faire des posts Instagram à la base et je me suis dit oh, peut-être faire une petite vidéo, c'est quand même plus sympa comme ça, au moins peut-être pour ceux qui sont pas sur Instagram. Voilà, je sais que vous aimez bien ce genre de petites vidéos sur la chaîne en mode total détente, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas besoin de 36 milliards de choses. Voilà, on est juste ensemble, on partage cette petite passion des jeux vidéo et tout, et ça suffit en fait, tout simplement. Donc à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Il y a le jeunesse, il y a la petite figurine, il y a un steelbook, enfin bref, on va voir tout ça ensemble parce que ça a l'air d'être une petite merveille. Just4Games, je vous aime encore une fois, merci beaucoup. Alors, on ouvre ça. Hop, oh là, la boîte est hyper belle en plus. Oh la boîte, la vache. Regardez-moi cette belle petite boîte. Oh là là. Mais elle pète la boîte. Je suis malade aussi, si je parle du nez, c'est un peu normal. Alors, à l'intérieur, nous avons, donc là, rien bien sûr, un petit film qui est là pour protéger. Et donc, on a un gigantesque pins qui est là. Mais juste absolument gigantesque. Et quand je vous dis gigantesque, c'est peu de le dire. Qui est là, très bien. On a...
bien sûr, la petite figurine du L308 Gunner. D'ailleurs, est-ce qu'on peut l'enlever ou pas ça de... Ouais, on peut enlever ça comme ça. Qui est là. Attendez, si j'arrive à l'enlever ou pas. Oui, elle est là. Qui... Ah, elle éclate, cette petite figurine sur son petit socle, là. Je sais pas si je vais l'ouvrir, je vais peut-être la garder comme ça. La petite figurine qui est ici. Stylé. C'est hyper stylé. Ok. Attends, c'est quoi moi, je suis très collectionneur dans l'âme, donc je vais laisser ça comme ça. On a... là-dedans, on doit avoir des petites cartes. Des petites cartes qui sont là. Des petits arts. Oh, et franchement, hey, ça pète déjà. Rien que le design qui brille là, ça pète. Regardez-moi ça. Oh là là. Non mais c'est trop, trop classe. Avec le certificat d'authenticité qui est là, bien sûr. Édition 538 sur 3000. Merci Just For Games, du fond du cœur. Vraiment. C'est une petite merveille. J'en mets ça là-dedans. Hop. Regardez-moi ce beau certificat, quoi. C'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé. Ça, c'est bon comme ça. Et du coup, bien évidemment, et bah, le jeu qui est ici. En plus, je vais rebrancher ma NES pour le tester. Pourquoi pas faire une petite vidéo dessus, ça pourrait être cool d'ailleurs. Allez, on va faire ça finalement. Évidemment qu'on va en faire une vidéo dessus. Il est impossible que je n'en fasse pas de vidéo. Putain, la boîte, elle est tellement belle. Oh là là. Si j'éternue, c'est normal, je préviens. Oh là 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 là, ce plaisir! Oh, je pense que vous éprouvez le même plaisir que moi pour ceux qui ont connu la NES à l'époque. Alors, ça doit être un poster, ça, je pense. Ouais, c'est un gros poster. Regardez-moi ça. Ah oui, il est en papier glacé en plus. C'est pas genre le petit poster en papier dégueulasse. C'est du papier glacé, s'il te plaît. Regardez-moi ça. Oh là là. Mais c'est trop stylé. Non mais... Vous me gâtez, Just For Games. Vous me gâtez. Mais beaucoup trop, beaucoup trop. Le petit manuel, bien sûr, en couleur. C'est des éditions comme ça qu'on veut pour les jeux. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est pas compliqué. On demande pas grand-chose, mais faites-nous ça pour tous les jeux. Et regardez-moi cette petite beauté qu'on va sortir. Oh, la cartouche, elle est translucide. Oh là là là. Alors ça, vous voyez, ça là, ça c'est toute mon enfance. Ça c'est toute mon enfance. Oh la vache. Je pourrais passer 10 minutes à la regarder. Elle est absolument sublime. Elle est absolument sublime. C'est une merveille. J'ai l'impression d'avoir un objet d'art dans les mains. Je la mets comme ça, regardez. Hop là, je la range ici. Précautionneusement. Merci du fond du cœur, Just For Games. Enfin, du fond du cœur. Je vais mettre ça là pour l'instant. De toute façon, je m'en servirai pour faire la miniature. Merci, vraiment, c'est une merveille. Bah, j'espère que cette petite unboxing vous a plu. Et on passe maintenant, bien sûr, à l'unboxing de la pop de mon cher abonné. Alors, voilà qui est juste ici. Il m'a envoyé par Mondial Relais, merci beaucoup. Je vous mettrai, d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer, je sais pas, un petit dessin, un petit truc, je vous mettrai la façon de me l'envoyer dans la description. Alors... Bravo pour ton travail sur YouTube, pour EMB, reste comme tu aimes éternellement. C'est super gentil ça. Alors déjà, avant de regarder, on peut voir derrière qu'il y a une espèce de... qu'il y a comme le fond des pop avec marqué EMB. On voit une Switch. Et derrière, alors, Anthony Verset, champion de France de Burger 2019, fort! Putain! Eh mec! Eh mais je veux voir tes burgers, je veux goûter, monsieur Verset. Fort pour EMB, Custom Limited. Champion du monde de France de burger. Et s'il te plaît, il est à peine 10h30 quand je tourne la vidéo. Je dis pas non à goûter. Tu me donnes faim. Alors voyons voir. En plus, là, la boîte est magnifique, ces boîtes-là. Alors voyons voir. Alors déjà, regardez, on a le fond avec marqué chargement EMB figurine vinyle. YouTube numéro 16 parce que je suis né le 16 novembre. Il va me demander mon numéro fétiche, entre guillemets. Donc déjà top pour le fond. Et bah en fait le plus intéressant ça va être là-dedans, bien sûr. Ah je vois déjà ma casquette. Fort!
Attendez, j'en reviens, attendez, bougez pas. Bougez pas, parce que là, ça me paraît nécessaire. Où es-tu, ma casquette? Elle est là. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas mise. Ma petite casquette. Ça fait du bien d'ailleurs de la retrouver. Parce que regardez, je la vois juste là. Alors est-ce que t'as été jusqu'au bout du design de la casquette ou pas? Oh, putain, c'est top. T'es mec, mais t'as été jusqu'au bout du design. C'est un truc de ouf. T'as récupéré ce qui avait marqué sur la casquette, roule de jungle? Oh là là! Mais le travail est ouf! Avec le petit socle et tout, avec l'herbe. J'adore le petit socle avec l'herbe, sachant que je suis fan des plantes. Oh, j'adore! Comment t'as fait ça? Avec la montre! T'as même mis ma montre! Mais t'es ouf! Avec mon petit jean, mon petit t-shirt blanc marqué EMB. Elle est hyper stylée! T'as même récupéré les côtés du truc de la casquette. Non mais t'as trop géré, gars. Je sais pas comment t'as fait ça, mais c'est magnifique. Moi, je dis bravo. Franchement, mais t'es un amour. Ah, oh, je suis fan. Je la mets sur mon bureau direct. Attends, tu sais quoi? Je la mets là-dedans, regardez. J'ai peur de l'abîmer. J'ai trop peur de l'abîmer, en fait. Les gars, mais merci du fond du cœur. Regardez-moi ça. Oh là là. Mais c'est beaucoup trop classe. Mais c'est beaucoup trop classe. Quand je vous dis que vous êtes des amours, mais merci du fond du cœur, merci pour ton travail, merci pour la beauté de ça, mec. Enfin, je sais même pas comment vous remercier tellement c'est adorable. Enfin, je veux dire, je fais juste des vidéos sur YouTube et vous m'envoyez ce genre de choses, c'est moi qui adore les figurines pop, mais c'est une petite merveille. Merci beaucoup. C'était une petite vidéo d'unboxing de l'amour. Parce que je reçois beaucoup de choses tous les jours et que j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça. Particulièrement parce que justement je recevais ça aussi et tout le reste. Donc merci beaucoup à vous d'être là sur la chaîne. Merci de m'apporter autant de bonheur, autant de joie tous les jours et ce genre de petites choses qui sont juste magiques pour moi. Voilà, je voulais vous remercier au travers de cette vidéo aussi. Donc merci Red Bull, merci Just for Games, merci à toi Anthony. Vous êtes des amours et je vous fais des gros bisous. Ouais, c'était une petite vidéo de partage avec vous. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. Surtout encore à vous d'avoir votre écran de décider. Salut.